une immense satisfaction de voir Carole remporter, je sais pas si elle a remporté, au terme d'une campagne qui a été courageuse, dynamique, lucide, une campagne qui a été sérieuse. Elle a évité en permanence de tomber dans la polémique dans laquelle les autres pouvaient l'entraîner. Donc ce soir, moi, très heureux de sa victoire et de son équipe rassemblée, l'équipe du premier tour, l'équipe du second tour. Comment tu passes ? Pour moi, une page qui se tourne, pas encore tout à fait, il y a encore quelques jours, mais une page qui se tourne. J'ai voulu qu'elle se tourne, cette page, et je suis évidemment très heureux de voir qu'elle s'est tournée comme je l'avais imaginé, comme j'ai imaginé qu'elle pourrait se tourner. Que le résultat est là dans nos deux régions. C'est un formidable pari à relever, de construire cette nouvelle région, la plus grande de France, qui aura 6 millions d'habitants, plus elle a beaucoup de courage, et tous mes voeux l'accompagnent ce soir et demain. Le pincement au cœur doit être particulier pour vous, malgré tout. Le pincement au cœur doit être particulier pour vous, malgré tout. Il y a un peu d'émotion, mais je m'étais, figurez-vous, un peu préparé. Je n'avais pas de surprise. Ça fait un an exactement que j'avais un an présenté. Donc je ne suis pas dans la nouveauté. Non, la grande satisfaction, c'est non seulement l'élection de Carole Delga, mais dans un contexte difficile, une élection qui est très claire et qui est très nette, c'est un département où elle réalise des scores considérables. Trois tiers compte de l'investissement, trois tiers compte de tous les politiques, pas seulement ceux qui gouvernent, ceux qui sont dans l'opposition. Il y a beaucoup de devoirs d'inventaire chez les politiques. Par contre, vous êtes moins virulents parce qu'ils contribuent à faire monter le Front National.